petit, que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou. Animation dans la cour de récréation de l'école Andorrane. Dans cet établissement scolaire, de la maternelle à la troisième, une seule langue prédomine, le catalan. C'est la langue officielle en Andorre. Tout part des bancs de l'école. Ici, plus qu'ailleurs, on défend l'histoire et les singularités de son pays, aussi petit soit-il. Le catalan reste la base de notre fonctionnement. Dans notre école, on le pratique dans toutes les matières enseignées, de la maternelle à la troisième. Ici en Andorre, ce que j'aime, c'est quand mes copines me parlent en catalan et moi je fais pareil. Même si on me parle en espagnol, je réponds en catalan. C'est très important parce que c'est notre langue officielle. Elle devrait être obligatoire, tout le monde devrait parler catalan. L'article 2 de la Constitution andorrane fixe les règles de la politique linguistique du pays. Avec un principe de base, le catalan reste la langue du pouvoir. L'occasion aussi de la faire entendre au plus haut niveau sur le plan international. Une langue comme un porte-drapeau. Notre premier président qui s'est exprimé à l'ONU, Oscar Ribas, l'a fait en catalan. Ce fut un moment très symbolique, très important. C'est la première fois que l'on entendait le catalan dans une instance aussi emblématique que l'ONU. Pour nous, c'était une évidence. Nous avons l'obligation et le devoir de défendre notre langue. Et nous le faisons. Andorre est le seul pays d'Europe où ses propres ressortissants d'origine sont minoritaires. Coincé entre l'Espagne et la France, le 18e plus petit pays au monde est envahi par des milliers de touristes en raison des boutiques hors taxes. Voilà pourquoi le gouvernement d'Andorre a appliqué une politique particulièrement offensive pour la défense de la langue. Au mois de novembre, nous ouvrons nos stations de ski. Il arrive alors un important contingent de travailleurs étrangers. On leur propose des cours de formation professionnelle pour leurs travaux sur les pistes de ski. Mais ils prennent également des cours de catalan basique. Cela facilite leur contact avec toute la population. Dans les bureaux de la télévision nationale d'Andorre, on est aussi conscient de toute l'importance qu'il y a de devoir défendre la langue catalane. Ici, nous faisons un effort très important pour ne diffuser majoritairement que du catalan. On ne double pas les personnes qui s'expriment en espagnol ou en français. Tous nos journaux sont en catalan. On fait ainsi découvrir notre culture aux gens qui nous regardent. L'apprentissage du catalan, pour tous les résidents andorrans, même de façon temporaire, ne va pas sans poser des problèmes d'organisation. La solution passe par la mise en place de centres de formation ouverts à tous les publics. Il est évident que si le catalan n'était pas la langue du pouvoir en Andorre, son impact serait nettement moins important. C'est notre grande force en Andorre par rapport à tous les autres territoires où l'on parle aussi le catalan. Notre gouvernement, le conseil général, les établissements financiers, les directeurs de banque, tous les grands groupes commerciaux et industriels utilisent le catalan. C'est notre atout principal. Il est un petit territoire au cœur des Pyrénées qui revendique haut et fort son indépendance. Son meilleur atout, sa langue, le catalan, la plus symbolique de ses signatures.